أزول أسوف يسون نظر مازال نظر موالدة سيدة عن تدويل تبد النار مقرد 8 روزقين 8 ونسب المسلاي غافين اكتبه ركاتورا غافين اتنين الناس لدغا لوزي نغم الجاز لنا يسال انتم يارا دنسي دقيقة غارتا يضا يميدي برون تم ديفاقية قارن دكن بعد زد ما يخدم العسكر نتمور من الجزائر صوغني وكنا تسوفر نزل من 132 إمارهان إيفرانيا أقول 573 إمارهانين جزائريين أتصل إسلام تواليم بوينتن لنولي بضم غارة مدينة الجزائر لنولي الولي دي روحن غارة مورف من الإنجليز أقول تمورف من الإنجليز انتي أجيبها من العسكر نتمور من الجزائر كش من غار لوزي نجير بلا ما ننسى العسكر الحكومة من الجزائر مازال ترى ودف كان راغي سلنا نكمل نسلاي على نسى الدنيا او المسا سن بواكير ازول فلاش محمد باكير ازول فلاش ازول محمد ازول سوري مجيد سي حسين ازول فلاش لكن الدنيا غير ذاك نسلاي مازال ترى ونسعر يسلم ونزرع شحال يدي فغان شحال مازال شحال يموتن سمير نزمر نيني غا كاتورا اكني فغوت ضرا ثمسالت اكني فغوت سلش ذاي ماري حزن الحكومه ان تمور من الجزائر الى قاد سو حاسب الى قاد تفهم ام كيرمي فضرات وغي ثقيا لان تمام لان وذا راهي تخرب يوغا بتات دي تات كي فون تومبي dans un pays démocratique, oui, c'est normal, puisque les responsabilités sont clairement définies, etc. إني قدران أو دولا دي سيركونستانس باسكو إلا قنزا مكي الظرف تمثال تاقيني ماشي تمثال قلان سي با إن كيسيون مينور سي إن كيسيون ماجور دونك أو دولا دي سيركونستانس سو لكيل كيل فودرا إلوسيدي كومون سا prise d'otage a été rendue plus possible dans une zone hyper sécurisée, etc. Donc on attend les explications, effectivement, comment cela a été rendu possible. Mais au-delà de cela, nous savions que l'Algérie était aussi une cible. Ce qui se passe en ce moment, il y a des morts du Sahel, avec l'intervention notamment française. L'intervention militaire qui a été décidée de manière unilatérale par François Hollande. Je rappelle que, contrairement à ce qui a été dit, qui a avancé ici et là, etc., cette option était une option qui était déjà arrêtée, hein, et l'option de l'intervention française au Mali. Il y a eu un prétexte. Alors, cette situation, aujourd'hui, montre, avec ce qui s'est passé donc à Ain Amenas, montre que nous sommes dans un probable embrasement de la région. Adouan, Majid, si vous êtes un ami Sagi Vayen, vous êtes un France avec le Mali, vous êtes un ami qui a été un ami Japon, un Américain, un Français, la Malaisie. Il est évident que, par-delà la situation du Mali, c'est une problématique régionale. Il était évident que ce qui se passait au Mali ne pouvait pas ne pas faire tache dans l'environnement. Il faut savoir que toute cette zone du Sahel était présentée depuis des années par tous les experts géostratégiques comme une zone de poudrière mondiale. Force est de dire que les prédictions qui avaient été faites se sont avérées vraies. Il est clair que dans cet attentat, on sent qu'il y a une marque spécifique d'une visée des Occidentaux. Puisque les témoignages des otages qui ont été rapportés par la presse disent que les terroristes ont séparé les Algériens des étrangers. Effectivement, ce qui peut paraître concordant avec un combat djihadiste, il y a une vision contre l'Occident et ses suppôts. L'Algérie étant considérée comme un suppôt de l'Occident, puisqu'elle a ouvert son espace aérien pour favoriser l'intervention au Mali. Mohamed, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous أردعو ذا سيجار تصفى مضان دي ثبوت مسال بخار في غير إيجار كني دنيا ميوس 33 يمدان أني دي توسع الحد ميوس 33 فرانيا الحكومة أن تمورت من الجزائر أهضر دير لي محمد سعيد ولعيد أدنس الشطو حارشكي اسمي يونا على فنت مسال مبارا مراد مدلسي أساقيني أغر الحكومة أن تمورت من الجزائر وصوض علي وكنا دمسلين تساث تايوالت ماشي دمسلين خطر العسكر أكسدو انتي مسال اي غير واش شوت قارن ما نال ماشي تسيد تدحو تقبليا تقديو نظري دي ناكدي ليبيا اي ناكدي الجزائريا نرتا قاري ناكدي ليبيا دو لا تسات مسرد ولا راس نتا مزقط غوين دنا غوين دنا المدوكل
مي فين يعني نذهب الجزائر داين 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 فنان فقد لا كومبيتونس نسن فقد تيلاس ايسان دونك يا با غران شوز ا دير باسكو ديت مسال تم تاكي دون دون بريز دوتاج سير لاسبي 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 كونكري سيكوريتير مي ذي الحق سي ان اسبي سكوندير L'aspect tangible, sécuritaire, c'est un aspect secondaire. C'est quoi l'aspect essentiel? L'aspect essentiel dans tout acte terroriste, en vérité, c'est l'aspect médiatique. Parce que ce qui est recherché, c'est l'impact sur l'opinion, c'est l'impact sur les cibles médiatiques qui sont visées. C'est pour ça que plusieurs fois, il faut éviter d'être captif de la stratégie médiatique des terroristes. C'est-à-dire que lorsqu'ils font une action, quand on commente, quand on essaye de comprendre ce qu'ils font, il faut éviter d'être captif de leur stratégie. Le problème, c'est que, le côté sécuritaire, on va avoir les informations dans les jours qui viennent, comment il a été géré, comment il a été. Mais on peut dire d'ores et déjà une chose, c'est un fiasco sur le plan politico-médiatique. La gestion politico-médiatique qui en a été faite est un véritable fiasco. C'est-à-dire que ceux qui ont communiqué, c'est les terroristes à travers le relais. On a vu les informations passer par l'ANI mauritanienne. On a vu le Jazeera faire vraiment faire son travail de relais au maximum. Donc toutes les informations qu'on retrouvait dans les réseaux d'informations, elles venaient à 80%, elles venaient des terroristes eux-mêmes. Et ça, c'est un scandale. Je vous pose la question à votre loi. L'ouvre l'espace aérien et français. Ici, nous avons une menace et nous avons une menace à la Libye. De toute façon, il absorbe déjà c'est un ministre étranger, c'est-à-dire un ministre français qui a informé les Algériens comme quoi l'Algérie a décidé de permettre le survol sans limite de son territoire. Et c'est une honte. Je suis d'accord avec Mohand, effectivement. Ce qui s'est passé à une menace est la marque de l'échec du pouvoir politique algérien. La faillite et la déliquescence. Du pouvoir politique algérien. Il faut savoir une chose, que ce qui a rendu possible la situation au Sahel, et même l'intervention française, elle est liée aussi au fait que nous avons en Algérie un pouvoir faible, un pouvoir politique qui n'a aucune vision stratégique. On parle souvent de l'Algérie comme étant une puissance régionale, une armée puissante, c'est vrai que l'Algérie dispose d'une armée, l'armée la plus puissante. On peut dire que le budget de l'armée algérienne équivaut au PIB de plusieurs pays africains réunis. Mais c'est un des attributs de la puissance, l'aspect militaire. L'autre aspect, c'est l'économie dynamique, c'est une politique étrangère active. Il a donc depuis 13 ans de règne, Bouteflika ne s'est pas rendu en Afrique sauf pour assister à un ou deux ou trois, je ne sais pas combien, de sommets de l'OUA. Il n'y a eu aucun déplacement dans un des pays de la région. Alors que l'Algérie, en 2000, commençait à disposer il y avait une disponibilité financière importante, avec l'embellie des prix du pétrole, l'Algérie aurait pu développer une véritable politique régionale, de puissance régionale. Mais malheureusement, nous sommes encore dirigés par une caste de vieillards. Je dis bien une caste de vieillards. Ça demande le chef d'état-major, il a 76 ans. Président de la République et ministre de la Défense, également, il a 74 ans. Oultra Bli a 80 ans, je ne sais pas quoi. Donc nous sommes dirigés par une caste de vieillards dont la préoccupation unique est de comment encore se partager la rente, comment reproduire le régime algérien. Voilà le malheur de l'Algérie, qui a pris en otage et l'Algérie, et je dirais y compris son armée. Y compris son armée, parce que c'est quand même important. Mm-hmm. C'est quand même important. Je vais souligner ce point-là. Cette caste de vieillards n'a pas compris encore que le monde a changé. Ils n'ont pas compris que le traité de Yalta s'est terminé, que le monde n'est pas divisé en deux blocs. Ils n'ont pas compris que le mur de Berlin s'est effondré. Ils n'ont pas compris dans quel monde nous vivons. C'est-à-dire que l'histoire s'est accélérée. Le temps mondial s'est accéléré, et y compris que la notion de souveraineté a évolué
aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion de souveraineté, la meilleure façon de défendre des intérêts nationaux, c'est de les inscrire dans une dynamique régionale. Mais je reste persuadé que cette casse de vieillard-là est en train de tuer Madjid. L'Algérie, à piéger l'Algérie. Vous vouliez dire quelque chose ? Je ne veux pas paraître pour un suppôt ou un défenseur ou l'avocat du pouvoir, mais j'ai peut-être fâché mes deux amis. Mais bon, il faut quand même dire au moins trois choses. La première, c'est que tous les pays du monde peuvent être victimes du terrorisme et que si là, en l'espèce, il y a une faillite des capacités de surveillance qu'on croyait inébranlables de cette zone qui n'avait pas été touchée en 25 ans, cela pouvait arriver, cela devait forcément arriver un jour. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je dirais qu'effectivement, sur la politique étrangère, on est stupéfait par la cécité de l'Algérie sur tous les mouvements dans son environnement, en Afrique et sur le mouvement du monde. Et on est d'autant plus stupéfait que celui qui la préside fut un brillant ministre des Affaires étrangères, comme quoi, finalement, les bouteilles de vin ne s'améliorent pas toujours en vieillissant. Le troisième point sur lequel je vais peut-être être en contradiction avec nos amis, c'est de dire qu'il y a un fiasco médiatique, certes, mais l'Algérie a quand même réussi à faire passer un message. C'est le même message qu'avait fait passer Vladimir Poutine à Beslan, c'est que l'Algérie, elle est prête à tout pour éradiquer le terrorisme et qu'elle ne négocie pas. En prenant le pari et en se heurtant, et on le voit bien que ça tangue un peu dans les chancelleries internationalement européennes et américaines, en prenant le pari de réprimer cette prise d'otage, quel que soit le prix du sang, l'Algérie a montré qu'elle était dans une logique sur laquelle elle n'avait pas changé, une logique qu'on peut rapprocher de la logique soviétique. Mohand ? Non, je m'inscris en faux par rapport au dernier point, je m'inscris complètement en faux. Pourquoi ? C'était simple. Les appareils de sécurité algériens, ça fait belle lurette qu'ils ne sont plus du tout dans le giron soviétique, qui sont formés ici, en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc, c'est... Je faisais référence, je comparais ça à ce qui s'était passé à Beslan avec... Mais le problème, c'est qu'on va bien le voir dans les prochains jours, c'est pas comparable du tout. Ils n'ont pas utilisé de plus rare. Hein ? Ils n'ont pas utilisé non, de plus rare. C'est pas... Il y a un professionnalisme au niveau des appareils de sécurité, il y a une expérience qui a été accumulée, même si partiellement ou en grande partie elle a été dilapidée par la politique de concorde nationale, etc., parce qu'elle a induit une marginalisation de beaucoup de cadres qui ont fait la lutte antiterroriste, mais je pense que au niveau des appareils de sécurité algériens, il y a une grande expérience. Donc je pense que Quand le côté technique sera traité, on va voir que le fossé entre cet aspect sécuritaire et l'aspect politico-médiatique, c'est un océan. On va mesurer le niveau de décalage. La grille de lecture qui dit que c'est une gérontocratie qui gère le pays, je pense qu'elle est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse ? Parce qu'elle occulte la véritable nature du système et elle ramène à des considérations qui ne cadrent pas avec le réel. En vérité, le problème de pouvoir algérien, c'est quoi ? C'est qu'il est inscrit dans des intérêts étroits, il est inscrit dans le contrôle de la rente, et ça lui impose deux contraintes. Ça lui impose une contrainte, c'est qu'il ne peut pas se maintenir par des mécanismes démocratiques, donc il ne peut pas permettre l'autonomisation et la mobilisation de la société d'un côté, donc il est dans un rapport de contrainte à la société. Et ça l'amène à être dans un rapport de vassalité par rapport au centre de puissance dans le monde. Ce qui donne cette image. C'est exactement très bien. Ce qui donne très rapidement, au rafale, tu vois. Donc, ce qui donne cette image d'un pouvoir qui paraît faible, alors que c'est un pouvoir qui est à la fois fort de la mobilisation de la rente et des alliances qu'il tisse avec les puissances occidentales, mais fort aussi. De la disponibilité financière. Moi, j'aimerais vous poser une question à vous trois. Hatala matar d'internet sur la toile dernière wal dum slay akin dal DRS dam nouhir el askra w Bouteflika el DRS khan nchtagi li service ukraine France sqsino am zero mais la France khabar nou khabar ara el Zahir w qblat chmal Mali. Est-ce que les Algériens ont été surpris par la France une fois qu'elle a décidé d'aller au Mali, où ils ont pris la décision ensemble quand Hollande a été à Alger? Samir a donné le premier élément de réponse. Il a dit que c'est un ministre étranger qui a informé l'opinion algérienne. Et il se trouve que c'est un chroniqueur français qui a donné l'explication du fait que l'Algérie a ouvert son espace aérien. C'est un chroniqueur français qui a dit qu'il a rappelé qu'il y a un accord de coopération militaire qui est signé entre l'Algérie et la France, qui a été signé en 2008,
Et que récemment, donc probablement durant les derniers mois, il y a eu les instruments de ratification qui ont été signés. Cet accord de coopération militaire inclut y compris des manœuvres au sol, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des troupes françaises qui peuvent être associées à des manœuvres sur le territoire algérien. Et c'est en application, parce qu'il y avait un problème. Au mois d'avril, les conditions d'autorisation de survol ont été précisées. Il y a un décret qui est paru au journal officiel qui donne 90 jours comme délai minimum pour introduire la demande et avoir la réponse. Et on voit qu'en 24 heures, même pas en 24 heures, en quelques heures, les avions français ont survolé. La réponse est celle-là, c'est qu'il y a un accord de coopération militaire entre les deux qui a été activé par l'échange des appareils de Donc pour vous, Majid, il n'y a pas de manipulation. Les islamistes aussi sont autonomes. Ils sont autonomes, Ansar Dir, Khamna Kinevran. C'est difficile à dire qu'il n'y a pas de manipulation. Ce serait très fort et c'est vraiment être dans le secret des dieux. Mm-hmm. Chose dont je ne fais pas partie. En revanche, moi je crois que je vais peut-être être un peu provocateur, mais je ne vois pas comment l'Algérie aurait pu s'opposer au passage des avions au-dessus de son territoire. Pourquoi ? Parce que finalement, il faut être très clair. L'Algérie et la France, sur ce dossier, ils ont des intérêts conjoints. L'Algérie n'a pas envie que le Mali bascule. L'Algérie n'a pas intérêt à avoir un nouvel Afghanistan à ses frontières. Et je pense que sur ce domaine, l'Algérie et la France ont des intérêts conjoints. Ensuite, sur la question de savoir que l'Algérie n'était au courant ou pas au courant, et à quel moment elle était au courant, je ne pense pas que la France ait fait l'offense à l'Algérie quelques temps après un voyage que tout le monde présente comme s'étant très bien passé, de lui faire quelque chose sans l'en prévenir, sans l'avertir, un délai raisonnablement diplomatique. Alors, quand on parle du pouvoir algérien, il faut aussi prendre la précaution suivante, de dire que il n'y a pas forcément homogénéité. Hein. Mm. Donc il faut quand même avoir à l'esprit cet élément-là, même si évidemment les appareils militaires et sécuritaires ont une part importante. Donc ça, c'est un élément quand même assez essentiel. Je suis d'accord effectivement sur le fait effectivement que l'Algérie n'avait pas le choix. Alors maintenant, dire cela et déduire que les intérêts sont conjoints... Partiellement, sur ce point-là. C'est un point que je ne franchirai pas. Je pense que la France avait comme option dès le départ, n'adhérait pas vraiment à la solution politique et diplomatique telle préconisée par Alger. Donc il y avait l'option militaire et cette option arrêtée. Pourquoi ? Je crois qu'il faut savoir quelle est la situation de la France aujourd'hui. C'est une région qui a été considérée longtemps comme une zone d'influence française. Le Sahel, hein, c'est la plupart des pays ont été colonisés par la France. Or, la France aujourd'hui se retrouve dans une situation où il y a une plus grande présence des Chinois, des Américains, des Canadiens, etc. Les Chinois sont le premier partenaire commercial aujourd'hui de l'Afrique. Il faut savoir que sur tout le continent, il y a à peu près 2000, sinon plus, hein, 2000-2011, hein, entreprises qui sont présentes dans le continent africain. Les crédits accordés sont chaque année doublés. Hein, en 2011, c'était 2 milliards... 20 milliards de dollars, hein, de crédit chinois. Donc, la France se retrouve, non seulement, je parle du pouvoir français, évidemment, qui se retrouve confronté à l'intérieur à une crise économique aiguë, hein, le chômage qui flambe, les mesures annoncées par le gouvernement n'arrivent pas aujourd'hui à convaincre les Français, et puis, à l'échelle européenne, les Français sont à la remorque, la France est à la remorque de l'Allemagne. Donc cette situation, je pense que ça, ce sont un certain nombre d'éléments qui ont motivé l'intervention. Donc les intérêts français ne sont pas forcément les intérêts, ne coïncident pas forcément avec les intérêts de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, quand je parlais de la caste de vieillard, parce que Mohamed m'a dit que ce n'est pas un problème générationnel, je suis d'accord avec toi. Il ne s'agit pas simplement d'un problème générationnel. Mais cette caste de vieillards, hein, dont j'ai cité quelques responsables, vivent encore dans un monde qui a disparu. Mais il y a des alors, la question de la rente, non, mais je suis d'accord avec toi sur la question de la rente, le monopole de la rente, etc., qui fait qu'il... Mais la vision... Aujourd'hui, les contradictions au sein du pouvoir algérien sont fortes. Il y a, au sein de l'armée, aussi des jeunes officiers qui ont été formés dans les grandes écoles, qui n'ont pas forcément les mêmes visions, qui sont plus en phase avec les réalités du monde actuel. Très bien. Donc c'est ce pouvoir-là, cette caste de vieillard qui est
qui base son pouvoir sur la légitimité historique, qui n'a pas compris que le monde a évolué. Nous avons également dans d'autres soins, particulièrement une menace, nous prenons soin des personnes blessées. On reste toujours dans cette dimension. On revient un peu sur une menace et puis on va revenir sur est-ce qu'on n'a pas encore toutes les données, mais s'il y a 132 otages qui ont été libérés, il y a des morts, 132, 100, ça dépend, chacun, on ne sait pas encore, on va dire entre 100 et 132. Le chiffre de la paix, c'est 132 étrangers, dont 100 ont été libérés, 32, on n'a pas de nouvelles. Et d'autres qui disent 60, dans 60, voilà. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. C'est la confusion, mais est-ce que finalement, à la fin, est-ce que l'assaut est réussi ou pas? L'assaut des forces spéciales. Ça dépend à quel prix on met la réussite. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils auraient dû négocier? Est-ce qu'ils auraient dû informer les pays étrangers? Mon point de vue, moi, dès le départ, c'était zéro survivant. Je peux choquer. C'était zéro survivant. Il faut connaître la détermination des terroristes. Je suis d'accord. Il faut connaître la détermination des terroristes. Et on avait affaire à une installation hautement explosive. Donc, les données de départ sont catastrophiques. Pour le dire franchement, elles sont catastrophiques. C'est ce qui explique en partie l'attitude médiatique occidentale. Tout le monde essaye de mettre la responsabilité sur les Algériens parce qu'ils s'attendaient à un carnage. Or, apparemment, on ne s'achemine pas vers ça. Il y a une donnée qui a été révélée. C'est que lorsque les travailleurs du complexe gazier se sont rendus compte de ce qui est en train de se passer, ils ont déclenché une procédure d'urgence qui a complètement vidé l'installation de son contenu explosif. Donc l'usine était, disons, désamorcée. Elle était désamorcée. Maintenant, en partant de cette histoire de zéro survivant, tout ce qu'on peut gagner, c'est mieux. Est-ce qu'il fallait accepter l'offre des États-Unis? Le problème, ça c'est sur le plan opérationnel. Que tu pars avec l'idée, blé, tu vas payer un prix élevé. Mais il y a des gens qui doivent communiquer sur ça. Il y a des gens, comme les Européens, ont communiqué par rapport à leurs opinions pour les préparer. Il va y avoir de mauvaises nouvelles. C'est des Russes, etc. etc. Nous, il n'y a pas eu ça. C'est ça la catastrophe. Oui, mais en même temps... Il y a eu une communication anarchique. Mais en même temps, les Japonais disent que la sécurité des otages est la plus importante. Les Américains aussi. Ils disaient que... Il faut quand même regarder les choses en face. On avait un groupe d'un nombre indéterminé de terroristes, mais plusieurs dizaines, motivés, prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est des djihadistes, il ne faut pas oublier à qui on a affaire, dont on dit qu'ils ont mis des ceintures de bombes autour des otages. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils fassent de la dentelle. Négocier, certes, l'Algérie l'avait commencé, semble-t-il, mais quand on a vu que des convois de voitures cherchaient à sortir de la base pour emmener ces otages dans des zones où personne ne pourrait les retrouver... Que faire d'autre? Il fallait attaquer. Est-ce qu'on a laissé partir avec les otages pour qu'ils aillent enrichir le stock qui est déjà assez nombreux avec ces gens qui ont été pris au Niger depuis 2 ans? Non, l'équation est plus large. Ouais. L'équation est plus large. L'usine, elle va exploser et les otages vont se retrouver ailleurs pour continuer à monnayer avec. C'est la catastrophe totale. Samir? La question, moi je ne suis pas un expert militaire pour rentrer dans des considérations de ce type, etc. Comment ça a été fait, le déroulement, pourquoi ça s'est fait comme ça. Moi je me situe au niveau. Je pense m'utiliser un peu le mieux, c'est le niveau politique. La question qui peut se poser, c'est quelle est la finalité de ça? À qui profite donc ce qui s'est passé à une menace? Voilà la véritable question. Alors, moi je ne considère pas que ce qu'on appelle les islamistes d'une manière générale ou les groupes islamistes ont une stratégie autonome. C'est une zone qui est sous influence.
Hein, c'est, le Sahel est devenu une poudrière dans laquelle des puissances se disputent le contrôle des richesses. Personne ne va le contrôler. Les Français, c'est l'uranium, l'uranium par exemple, c'est pétrole également, par exemple en Mauritanie à la présence de Total. Bref, les richesses dont regorge le sous-sol, y compris malien, parce qu'on a tendance à présenter alors qu'il y a y compris l'uranium, de l'or. Exactement, donc voilà, qui reste inexploré. Donc les richesses sont immenses. Donc, alors, ces groupes islamistes, etc., je ne pense pas que quelqu'un comme Belmokhtar puisse être un grand stratège politique, un grand stratège militaire, qu'il y a forcément... Alors, là, je pose la question, à qui profite ? Voilà, on verra effectivement à qui profite la réponse, on ne l'a pas tout de suite. Mais ce qu'il y a, c'est que le risque d'embrasement de toute la région est bien réel. C'est un contre-coup, effectivement, de l'intervention française. Le risque. C'est la troisième fois, Samir, il faut clarifier ça, à mon avis. Alors, je vais terminer. Donc, la situation, non, le risque d'embrasement est bien réel. Il faut clarifier ta position. Sincèrement, il faut clarifier ta position. Est-ce que tu penses que les Français n'auraient pas dû intervenir ? Est-ce que tu penses que les islamistes pouvaient aller jusqu'à Bamako sans que ça ne te pose problème ? Ah non, alors la question, il ne faut pas la poser autrement. Elle se pose comme ça, concrètement, c'est sur le terrain, pas la théorie. Non, je vais te répondre très simplement sur cette question-là. Moi, je considère qu'il y a eu une résolution aux Nations Unies, on est bien d'accord. Hein, il y a eu une résolution aux Nations Unies qui définissait le cadre d'une intervention. Hein, que l'aspect militaire devait venir en soutien à une solution politique, diplomatique. En intervenant, la France, évidemment, tout en préservant des apparences de légalité, a néanmoins quelque peu torturé l'esprit de cette résolution. Pourquoi tu as fait que tout le monde connaît, alors, c'est les islamistes qui ont été vers Montpi. Réponds-moi sur alors, ça, quand même. Quand on s'explique un petit peu sur ça, je vais préciser ma pensée. Moi, je considère que l'intervention française, telle qu'elle a été décidée, sachant que cette option était déjà une option lourde, puisque la France n'a soutenu que du bout des lèvres les efforts qui ont été faits pour trouver une solution politique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement entre au moment où des discussions se faisaient, y compris avec le groupe d'Ansar Dine, qu'est-ce qui s'est passé et au moment où ils ont décidé, où un accord aurait été trouvé, parce que je mets tout ça au conditionnel évidemment, ça reste l'opacité là-dessus, et la décision d'aller justement non pas occuper Bamako mais l'aéroport de Sévaré, l'aéroport stratégique de Sévaré. Non, c'était pas voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? La question se pose. Moi, je n'ai pas d'éléments de réponse clairs. Très bien. Peut-être toi, tu as des éléments de réponse. Bien sûr. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé entre ce moment-là et la décision qui a servi de prétexte à la France. Et pourquoi tu parles de prétexte? Tu as du mal à sortir du nini. Tu as vraiment un mal inouï à sortir de ça. C'est pas ce qui est très facile. نساعة جولي سلن فلاش كان تميت 7:30 ولا شعبي سي من خدم بالدماء ماذا 8 ذو وزقن أدنو على لوكار تمسالي قاعد نولي كان أجزول يسلن خاص ما يلستوت لي في نوت فرانسيست نساعدي هيدا في 7 نتساعد دساقة في 7:30 يمين خدم ثاد ويل تاقيني غا بالدماء غا تكلتني عنا غا في عنا الناس يكون جغي هو كنا دنوالي يمين خاص ما يلعام سلي توقتا تاس غا في عنا الناس لنتها ثكير نتمسال نظام نظران ذو مظال أكون جاي وكنا تدنوالي ذو جزولك. Une centaine d'otages étrangers et plusieurs centaines d'Algériens ont été libérés du site gazier d'In Amenas. C'est ce qu'affirme une source sécuritaire. Une trentaine d'étrangers seraient toujours portés disparus. Sur place, la situation reste très confuse. Les forces spéciales algériennes cerneraient toujours ce complexe du Sahara algérien. Son installation gazière aurait été neutralisée pour éviter les risques d'explosion. Sur le plan des revendications, le chef des assaillants islamistes Mokhtar Belmokhtar dit vouloir négocier avec la France la fin de la guerre au Mali. Il propose aussi de libérer les otages américains contre des islamistes détenus aux États-Unis.
Après avoir avoué qu'il se dopait, Lance Armstrong risque gros devant la justice. Le gouvernement américain pourrait notamment décider de poursuivre le champion déchu pour fraude ou pour parjure. Le Texan est déjà menacé par 2 procès au civil, par un hebdomadaire et un assureur, pour des sommes qui, au total, dépasseraient les 10 millions de dollars. Des condamnations modérées pour les putschistes du cercle Wagram. Ex-employé de ce cercle de jeu et alliance hétéroclite de voyous corses, 9 des 10 prévenus écopent de peine allant d'1 an de prison avec sursis à 6 ans ferme. Ils étaient accusés d'avoir ravi le contrôle du cercle Wagram à une bande rivale lors d'un coup de force à Paris en 2011. C'est un avion sans ailes, une voiture à hélice, de la poésie sur roues. Cet étrange engin hybride baptisé l'Hélica a été inventé au début du XXe siècle par Marcel Leia, un ingénieur philosophe. À l'occasion de ses 100 ans, elle sera à l'honneur du salon Rétromobile, début février à Paris. كما لمس لي غاف عنا من نص غاف المالية لا حبسيت عند سمير نتا راضي وكن نفهم ما إلا فرحة نوض فرح ضارة من فرنسا تكشم غار المالي محمد كيف كيف نتا وكذا مجد مسفهم اشتيني غالا ونعود غيثي كلتني ظن فرنسا تشاور الجزائر سمير نوض تشاورها A priori, c'est que la France a décidé d'intervenir, Chauriouen, y compris ses partenaires également au Conseil de sécurité. Donc, c'est un fait. Maintenant, pour revenir à l'histoire sur l'intervention française, les motivations de l'intervention française, puisqu'apparemment, On n'est pas d'accord sur cela. Moi, je ne défends pas l'intervention française. Bon, il la défend évidemment, ça rappelle un petit peu. Ce que je disais, c'est que lorsqu'on a justifié l'intervention en Libye, je rappelle que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est en partie lié, une conséquence directe de l'intervention qu'il y a eu en Libye. Je crois que... On peut même le faire remonter à plus longtemps, parce que moi je me souviens très bien de la disparition du GIA, du GSPC, voilà, et de l'immigration. Voilà, mais des groupes, etc. Maintenant... La question qui se pose, c'est que pourquoi Ansar Dine a été rompre l'accord, etc. Oui, c'est la question qui se pose. Bon, moi, je suis quelqu'un qui pense que je considère que ces groupes-là n'ont pas des stratégies de type autonome. Ce sont des groupes qui sont instrumentalisés. Je ne parle pas des Touaregs de l'Azawad, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'amalgame entre... les Touaregs de l'Azawad qui ont des droits légitimes avec des groupes narcotrafiquants, etc. Parce qu'aujourd'hui, on amalgame tout sous la bannière de la lutte antiterroriste et de la guerre antiterroriste. Alors, je précise une chose suivante. Pour moi, la France, en décidant d'intervenir, se comporte comme une puissance impériale. Et contrairement à ce qui est avancé par Hollande, c'est-à-dire que aujourd'hui, on essaie de trouver des subtilités sémantiques. Non, ce n'est pas une intervention pour changer de régime. Ce n'est pas une guerre préventive. C'est à l'appel d'autorités maliennes qu'on sait très bien illégitimes, qui sont issues d'un coup d'État. Ça, c'est un fait quand même irrécusable. Donc, y compris la légitimité de l'intervention se trouve quelque peu écornée à ce niveau-là. Mais plus globalement, parce que c'est ça qui est important, la lutte, la guerre contre le terrorisme, parce que la France, malheureusement, est en train, la France d'aujourd'hui de Hollande, est en train de s'inscrire dans le même sillage que les guerres contre le terrorisme qui ont commencé, qui ont été initiées à partir de septembre de 2001, des attentats de septembre 2001, l'intervention en Irak, en Afghanistan, et y compris l'intervention en Libye, même si aujourd'hui, au niveau officiel, au niveau du pouvoir de Hollande, on essaye de dire que c'est pour corriger les effets pervers de l'intervention en Libye. Malheureusement, moi je considère que ça ne déroge pas à ce type de guerre. Moi je considère que la lutte contre le terrorisme ne se limite pas aux aspects militaires. Est-ce qu'elle avait un choix en France? Est-ce qu'elle avait un choix? Je termine sur ça. La lutte antiterroriste ou la guerre contre le terrorisme, c'est d'abord la guerre contre les causes du terrorisme. Ça, on a tendance souvent à l'oublier. La guerre contre le terrorisme, c'est la guerre d'abord contre les causes du terrorisme, c'est-à-dire les causes politiques, l'absence de liberté, l'absence de démocratie,
les causes économiques, hein, la pauvreté, l'exclusion, les injustices, c'est tout cela qui nourrit le terrorisme. Majid et Mohamed, kif. Donc moi, je ne peux pas cautionner une intervention militaire française qui s'inscrit dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme, hein, et qui trouve prétexte par des groupes islamistes, etc. Aujourd'hui, les islamistes sont devenus les groupes islamistes, ou les islamistes sont devenus les idiots utiles, hein, des puissances occidentales. Hein, qui trouve prétexte pour intervenir et piller les... Donc, cette question est quand même importante. Chini qui est d'accord avec, qui soutient l'intervention, il y a que le français, il y a un peu de temps, 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 ils sont partis protéger une junte militaire qui détient le pouvoir au Mali. بعد وفاة السبعة أنصار الدين وقلت مسلين شحال ويا الجزائريين يا رياض واس في سليمان نسنا نروح نار باماكو يسينا كي نروح نوقف نحبس صافي قرفت راه عامين يقولوا امان الله يقرق لي ذا ران تعريف كي دار واس يقولوا لنا أنصار الدين نروح عند نسليك باماكو نعاون العسكر كتفنا دابا اسمحي لي كيف كيف يسيني هنا اسمحي لا فرونس إل أجي دون الكاد دون ريل بوليتيك إل أجي أوسي أون فونكسيون سيز انتيغي. Ce qui a motivé... Ben non pas au nom des valeurs universelles. Non. Tu as eu le temps de... la part du lion. La France a cherché à faire faire ce qu'elle fait aujourd'hui à l'Algérie pendant un certain temps. Elle a même envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Elle a fait des appels du pied, ça ne s'est pas fait. On ne peut pas réduire ce qui se passe aujourd'hui à simplement un choix d'une partie contre une autre. Il faut replacer les choses dans son contexte. Les valeurs universelles auxquelles fait référence... C'est mais... Ah non, c'est Hollande qui fait référence à cela. Les propos sur les valeurs universelles, c'est quand même... Il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. C'est la destruction des mausolées à Tombouctou. C'est les gens... Non, mais c'est exactement les arguments c'est les... pour ce le sont... ça. Ce sont pourtant des réalités. Oui, non, c'est les gens à qui on coupe les mains. Oui, non, mais arrêtons avec ça. C'est les gens à qui on interdit la consommation de tabac. Et peut-être que pour vous, ça ne rappelle rien. Non, certains qui ont vécu les années noires en Algérie, ça rappelle certains souvenirs. Il faut voir aussi... Pourquoi on les a laissés faire, Majd? Il fallait une occasion pour intervenir. Il y a des réponses à tout. Il fallait une occasion pour intervenir. L'occasion a fait le larron. Les islamistes avaient dépassé un point, c'est-à-dire qu'ils allaient au-delà de ce qu'on les avait laissé faire. Ils étaient en route pour Bamako. Bamako allait tomber. C'était quelque chose qui n'était pas admissible et qui ne permettait plus de transiger, qui ne permettait plus d'attendre une résolution de l'ONU. C'est-à-dire que les islamistes ne s'attendaient pas à une intervention si jamais ils allaient vers Bamako. Ils sont au village de l'Ouche. La France, sa stratégie est construite sur une donnée essentielle dans cette sous-région. Elle est construite sur les ressources uranifères du Niger. Elles sont importantes pour la France, pas pour alimenter ses réacteurs, pas pour alimenter les réacteurs français. Parce que la filière de l'électrique nucléaire, elle dépend de la disponibilité et de la sécurité des gisements uranifères. Pour vendre des réacteurs, il faut garantir aux gens qu'il y a du minerai derrière. C'est ça l'intérêt stratégique qu'a la France pour cette région du monde. Donc, Ça implique que la France n'a pas intérêt à soutenir le MNLA. Pourquoi? Parce que si la France soutient le MNLA, elle reconnaît que des ambitions, que des aspirations autonomistes de ce type peuvent se reproduire au Niger, peuvent se reproduire ailleurs, et qu'elle soutiendrait. Ça n'arrange pas ses intérêts. Dans l'absolu. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 90, on n'a pas prêté intérêt à la situation en Normandie. Il y avait des accords, il y avait des promesses, parce que la situation du Normandie, elle est rattachée aux conditions de vie des gens. Les gens vivent dans un autre siècle. Ils vivent plus proche de la préhistoire que du monde. Ils vivent dans la pauvreté la plus noire. Oui. Il y avait des promesses, il y avait des accords, les accords d'Alger et de Tamnarast, qui étaient basés sur le fait qu'il allait y avoir du développement, qu'il allait y avoir redistribution des richesses dans cette région. Le Bamako a trahi cette promesse, n'a pas tenu ses promesses. Et personne n'a dit, attention, on va vers quelque chose d'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, l'effondrement de l'État malien, parce que c'est un État failli, le Mali est un État failli, l'effondrement de l'État malien crée les conditions d'un abcès terroriste dans cette région-là. Ça interpelle tout le monde. Qu'est-ce que tu mets sur le thème terroriste? Tu sais très bien, Samir. Tu sais très bien, c'est un sujet. Très clair. Je suis très clair. Voilà. Terrorisme islamiste.
terrorisme oui, islamiste. Oui, ça suffit pas. C'est des gens qui sont défenseurs d'un khalifa. D'accord, ça tu connais très bien, c'est un vieux débat. Et tous les Algériens connaissent. Tous les Algériens connaissent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un état de fait qui s'est fait, qui s'est installé, où tout le monde a joué son jeu. Qui a laissé faire ça? Qui a envoyé les islamistes depuis les années 90 dans la Zawad? Qui les a envoyés? Qui les a laissés faire? Le Qatar a financé Ansar Dine El Mujahoud. Qui d'autre? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Moi, les Algériens n'ont pas fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La théorie... On a laissé faire. On n'a pas forcément envoyé. Est-ce que je peux continuer? Soit tu analyses les intérêts qu'il y a. Et là, tu as des chances d'aboutir. Oui, mais soit mais tu rentres dans la Cour de justice. Tu justifies tout ce que fait Alger. Je ne justifie pas ce que tu vas ramener le Qatar pour la Sardine. Tu dis que Alger n'a rien à voir avec l'islamisme. Je te défie de dire, je te défie de montrer que je soutiens Alger. Vas-y. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un état de fait qui est établi. Il y a une frontière de fait. C'est le col de Sine que dessine le fleuve Niger. Tu as où une situation qui est sous le contrôle de groupes terroristes et avec la présence du MNLA. Et au sud, un pouvoir de fait aussi qui est issu du coup d'état du 22 mars qui est sous le contrôle du capitaine Sanogo. Cette situation devait perdurer jusqu'à ce que la MISMA soit mise sur pied. Ça n'a pas été le cas. Elle n'a pas perduré. Ansar Dine, en application de la Taqiyya, ont rompu les négociations. Ils ont avancé vers le sud. Ils ont franchi le col de Sine. Et tu dis que c'est le Qatar qui a poussé Ansar Dine à le faire, c'est ça? Le Qatar est gagnant dans cette histoire. L'essentiel. Maintenant, ce qu'a fait la France. Non, mais là, je comprends un peu ton explication. Donc, c'est le Qatar qui est derrière tout ça. Ce qu'a fait la France. Si ça s'appelle un coup d'arrêt, je le dis ouvertement, je soutiens et j'applaudis. Si cela s'appelle un coup d'arrêt. Si cela s'appelle intervention, ça veut dire que les troupes françaises vont se positionner et elles vont monter vers le nord, elles vont dépasser le col de Sine, et ce col de Sine qui est une frontière de fait. Là, on est dans une logique néocoloniale. Ah ben c'est bien, je vois que tu commences à nuancer ton propos en posant des signes, c'est très bien. Bon, je ne nuance pas, je clarifie, je suis clair, je le dis clairement. Non, bon. Si ça s'appelle une intervention... Si la France se positionne dans une situation... Si, voilà, d'accord, ok. Non, mais tu poses bien la question de si, c'est quand même important. Ouais. Mais toi, tu ne m'as pas répondu, si les islamistes avaient pris Bamako, qu'est-ce que tu en penses si c'est bien? Écoute, je crois que... c'est quand même un point essentiel. Écoute, je crois qu'il y a une situation qui a été créée de telle sorte à ce que... moi, je le dis clairement, ma position, elle est claire. Tu peux permettre juste une seconde. Pour moi, tout cela, toute cette bouillabaisse qui existe, c'est parce que l'Algérie n'a pas intervenu en Libye, elle ne veut pas intervenir au Mali. Alors, sur ce point-là, j'ai dit dès le départ que ce qui a rendu possible aussi l'intervention française, c'est effectivement l'échec, l'absence d'une politique... De puissance régionale de l'Algérie. Oui. Ça, c'est un fait. On est d'accord sur cela. Parce que si l'Algérie avait... alors qu'elle a les moyens, développer une vision pour l'Afrique, développer une politique étrangère importante, etc., effectivement, la situation aurait été tout autre. J'ai parlé de la caste de vieillards qui est complètement hors du temps, hors de l'histoire, qui n'ont pas compris les évolutions. Bon, mais moi, je ne désespère pas que... Tu ne peux pas parler de caste de vieillard alors que tu ménages le plus grand vieillard qu'il y a dans la classe politique algérienne. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, j'aimerais te poser une question. Il soutient c'est aussi, qui est le plus grand vieillard de la classe politique algérienne, et il me parle de vieillard au pouvoir. C'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture qui n'est pas valable. Moi, tu es en train de... C'est une grille de lecture. J'aimerais juste te poser une question. Arrêtons. Il faut être sérieux. Tu parles de gérontocratie. Pourquoi la gérontocratie? Ce n'est pas là pour le pouvoir, pas pour la classe politique. Oui, je te parle du pouvoir parce que c'est eux qui ont la responsabilité de diriger, c'est eux qui dirigent le pays. Ça sert à rien de s'emporter. Est-ce que je peux te poser une question? Je parle de cette classe parce que c'est elle qui dirige le pays. Sidi Houssine est peut-être vieux, etc., mais il n'est pas aux commandes du pays. Alors qu'on s'entende bien. Il n'est pas en commande du pays, c'est quelqu'un qui a pris la décision sur le terrain. Je ne vois pas, je vois,
vraiment c'est juste pas, que je te dis. Franchement, je ne vois pas ce que vient faire. C'est juste que je te dis que cette grille de lecture, non, cette grille de lecture n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas valable. J'aimerais bien qu'on avance. Pourquoi ? Elle n'est pas opérationnelle pour toi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est opérationnelle pour moi plutôt. Parce que je considère que le régime algérien est basé sur une légitimité historique. Il est basé, sa vision, qui est une vision passéiste, hein, de l'évolution actuelle du monde, qui a fait qu'aujourd'hui, notre pays se retrouve en situation de subir davantage les contre-coups de ce qui se passe, de cette guerre au Mali, plutôt que d'être un acteur très bien actif. Samir. Ça, j'ai dit au départ qu'on était d'accord sur ce fait. J'aimerais te poser une petite question et puis on va entendre Jean-Marc Ayrault. Mais moi, j'ai posé la question. Moi, je te pose juste une petite question à toi, je vais la reformuler autrement. Disons que les islamistes ne sont pas autonomes, ils sont manipulés par Qatar, par Alger, on ne sait pas. Mais est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu aurais préféré que les islamistes arrivent à Bamako ? Ils tiennent Bamako, tu préfères quand même l'intervention française pour les arrêter. Alors, je rappelle simplement que ce discours, alors tout ce discours qu'on voit dans les médias occidentaux, hein, on pose les éléments d'un conditionnement d'opinion, attention, les terroristes, les islamistes, avec l'amalgame, hein, on amalgame tout le monde et les Touaregs, etc., etc., allez prendre Bamako. Ça rappelle un petit peu le discours qui a été tenu au moment de la guerre en Libye. Attention, Kadhafi a menacé de plonger dans le sang Benghazi, et c'est ça qui a justifié. Et puis on a vu un Bernard-Henri Lévy aller au-devant en disant voilà, qu'il allait massacrer, raser Benghazi quasiment. Donc c'est des similitudes. Hein. Que fallait-il voilà. Alors, que comment fallait, ça que fallait-il faire devant l'avancée sur Bamako ? Est-ce que l'armée malienne aurait pu défendre Bamako ? Ça reste à démontrer. Mais que fallait-il faire ? Ça reste à démontrer, monsieur. L'avancée sur Bamako reste à démontrer. L'avancée sur Bamako reste à démontrer. Les circonstances qui ont amené le groupe Ansar Dine, de rompre les accords et puis d'avancer aussi reste à élucider. À l'heure où je vous parle, le décès de plusieurs otages est à déplorer. Nous n'en connaissons pas encore précisément le nombre, ni la nationalité. Depuis le début, je suis avec les ministres concernés en contact régulier avec les autorités de l'Algérie, pays durement éprouvé dans le passé par le terrorisme. Et je viens à l'instant de m'entretenir avec le Premier ministre algérien qui m'a confirmé que l'opération se poursuivait. Nous sommes également en liaison avec les autres pays directement concernés par cette prise d'otage. Finalement, est-ce que la France ne profite pas, on va dire comme ça, de la prise d'otage ? Ça ne devient plus France-Mali, ça devient France-Algérie, Mali, États-Unis, Europe peut-être, on a des infos qui disent que l'Europe finalement va envoyer des soldats. Finalement, ça devient un conflit international. Probablement. Ça montre deux choses. La première des choses, c'est que la France, effectivement, en l'occurrence, ça c'est un événement qui est extrêmement bénéfique parce que ça permet de, si j'ose dire, de resolidariser les troupes. Tout le monde comprend mieux maintenant la dialectique française sur le caractère international de la présence de la France dans cette région pour un danger qui menace l'ensemble du monde développé, etc. Et la logorée que n'aime pas beaucoup Samir et qu'on a déjà entendue, qui parfois peut être fatigante, je te l'accorde. Ça montre une deuxième chose qui, à mon avis, doit préoccuper les autorités françaises, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à s'éterniser dans une poudrière à laquelle ils ne peuvent pas contrôler, sous peine de se retrouver dans la même situation que celle qu'ont connue les Américains en Irak, en Afghanistan, ou les Russes autrefois en Afghanistan, et que la France a une urgence, c'est de trouver rapidement le moyen de passer le relais aux forces africaines pour pouvoir s'extraire et se contenter d'un support logistique, de formation, de conseiller technique. Très bien. Mohamed, Mslaïd a fait Selim Naf Bamako. العسكر المالي وزمي عندنا هذا عسنا في باماكو بدا نقار انصار الدين لو كانوا تكشي مال فرنسا اسقط باماكو بدا العسكر المالي يسلمنا كاع هذا شحال 300 400 500 600 ولاش العسكر المالي زمرني وكنا تحلف لنا في باماكو ولاش العسكر المالي ولاش العسكر المالي باسكو سي لو كان يلي العسكر المالي يورا با يو الكو ديتا الكو ديتا يل ايتي ديو
deux facteurs essentiels, la poussée nationaliste au nord et le fait que les soldes n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés, les soldats n'ont pas été payés. L'armée malienne, elle compte des généraux, c'est un capitaine qui a fait le coup d'État. C'est un capitaine des services maliens qui a fait le coup d'État, alors qu'il compte des dizaines de généraux. Les gens qu'ils arrêtent, c'est des généraux. C'est un capitaine. Donc, entraîné par les Américains. Entraîné par les Américains, oui, par la CIA. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu effondrement de l'armée malienne. Il y a quelques secteurs. Il y a le camp de Kati, c'est un camp de gendarmerie et de service, qui commande le pays. C'est ça la réalité au niveau de Bamako. Donc, c'est vrai, avec Lina Majid, la légitimité. Sans remettre à l'appel des autorités de Bamako qui sont un habillage que la CDAO a mis en place pour le coup d'État du 22 mars, ça ne tient pas la route. Ce qui n'enlève rien à la pertinence de l'intervention en tant que coup d'arrêt. Je pense qu'il faut comprendre une chose essentielle pour voir ce qui se passe dans la région et que la lecture gérontocratique ne permet pas de voir. Le pouvoir algérien est un pouvoir comprador. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est un élément comparador, c'est quoi? C'est ce que j'avais dit au départ. Il n'a pas intérêt au développement de la société algérienne, que ce soit dans son économie, que ce soit dans sa société civile, que ce soit dans sa classe politique. Il n'a pas intérêt à l'autonomisation de la société algérienne. Et ses rapports avec les centres de puissance sont des rapports de vassalité. Qu'ils aient 60 ans ou qu'ils aient 20 ans, les gens qui sont liés à ce pouvoir sont des compradors. C'est un mot qui est vieux, qu'on ressort des vieux livres, mais qui dit une réalité. Et c'est pour ça que, par exemple, Alger peut se permettre de négocier avec des terroristes sur des mois et à la dernière minute d'ouvrir son espace aérien aux avions français. Parce qu'ils ne travaillent pas sur les intérêts nationaux. Ils travaillent sur la survie de leur système. C'est ça la clé. Et la lecture gérontocratique ne permet pas de comprendre ça. Il y a des gens, il y a des multimilliardaires du trafic qui ont 25 ans en Algérie. Et c'est un gérontocrate, c'est pas un gérontocrate. Alors qu'il y a des camarades à toi qui ont été torturés dans les années 60, qui ont 90 ans aujourd'hui. C'est des gérontocrates, on les insulte avec cette lecture. Alors, quand tu veux... Faut arrêter. Non, mais attends, parce que là, j'ai l'impression que tu n'as pas saisi exactement ce que je voulais dire, hein, sur la question du caste. Quand j'ai parlé d'une caste de vieillards, pour mettre en évidence, non pas simplement l'âge, c'est pas cela, mais le fait que ces gens-là, évidemment, sont à la tête du pouvoir algérien, au nom de la légitimité historique, sont encore dans un monde qui a disparu. J'ai dit que ils sont encore dans Yalta. Ils n'ont pas compris que le mur du Berlin a sauté. Ils sont pas dans Yalta puisqu'ils disent des alliances. Ils sont dans une logique qui consiste à dire effectivement qu'il s'agit de défendre un régime, hein, plutôt que d'aller, si tu veux, développer une vision, une vision stratégique. Attends, sur la question du comparador. Comparador, c'est le terme, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il faut l'expliquer. Soumis à l'étranger. Voilà, soumis à des intérêts étrangers ou des multinationales aujourd'hui étrangères, inscrits dans la finance internationale. À des centres de puissance étrangers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un monde où il y a une interdépendance. Ça, c'est une donnée dont il faut tenir compte. La mondialisation, même s'il y a des résistances qui s'expriment, et souvent elles s'expriment sur quoi? Sur des bases identitaires, religieuses, ethniques, etc. Mais la mondialisation s'est accélérée. L'interdépendance s'est accélérée. Aujourd'hui, il faut une vision nouvelle. C'est-à-dire que la vision, c'est quoi? C'est comment défendre des intérêts nationaux, justement, dans le cadre d'une mondialisation qui impose une interdépendance. Nous ne sommes plus dans les années à 50 ans de cela ou il y a 20 ans de cela, et la notion de souveraineté a évolué. Et tu penses elle a évolué. Or, le problème, c'est que c'est ceux qui nous dirigent. On ne va pas rester dans ça. Pour clarifier, ceux qui nous dirigent, malheureusement, sont encore prisonniers. C'est là où tu fais l'erreur. Ils sont encore prisonniers de ces visions. C'est là où tu fais l'erreur. Qu'il y ait des poches comparadores au sein du pouvoir algérien, je suis d'accord. Qu'il y ait aussi des patriotes, il y en a aussi. La ligne de fracture, effectivement, aujourd'hui en Algérie, elle est entre les secteurs qui se sont soumis totalement, donc les secteurs comparadors qui sont soumis totalement aux intérêts étrangers, mais il y a aussi, je le pense, sinon ça serait à ce moment-là
difficile. Ça serait grave qu'il y ait des poches de patriotisme, mais de patriotisme non pas basé sur une espèce de nationalisme étriqué, parce que le monde a changé, mais qui comprennent aujourd'hui que défendre les intérêts nationaux, c'est de s'inscrire dans des ensembles régionaux. Et s'inscrire, par exemple, dans la constitution du Maghreb. Parle un peu de arrêter ces histoires de conflits indéfinis qui ne terminent pas entre le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est de nature, effectivement, à compliquer la situation et puis à aggraver les dépendances. Après une attaque pareille, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur les investissements pétroliers en Algérie ? Non. Non. Parce que là, j'ai vu que BP a commencé à rapatrier ses salariés. Il va y avoir des gesticulations. Il va y avoir des gesticulations. Je ne comprends pas la facilité que vous avez à répondre, à défendre, à dire que l'armée a bien fait. Attends, tu veux qu'on dise la vérité? L'armée a bien fait. Elle n'a pas parlé avec le Japon, c'est bien. Elle a tué des hommes. On n'a jamais dit ça. Il n'y aura aucune conséquence sur les investissements pétroliers. Non, parce que Mohamed, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face, Mohamed. Le pétrole est rare. Le pétrole est cher, le pétrole est précieux, le pétrole du Sahara est d'une qualité exceptionnelle. Et cette motivation, c'est une motivation humaine, voilà. Le goût du lucre, le goût du profit et la satisfaction des besoins. C'est du gaz qu'on parle. Peu importe. La seule chose qui pourrait faire. La part de production algérienne en termes de pétrole, c'est pas ça qui. La qualité n'est pas déterminante, disons, dans le cours des prix du pétrole. Elle n'est pas déterminante. L'accessibilité, la faiblesse du coût d'extraction. C'est beaucoup plus facile d'extraire du pétrole dans le Sahara que d'aller l'extraire au large de la mer du Nord ou dans le bitume, dans le schiste bitumeux du Canada, de l'Alberta ou de l'Alaska. Tout ça font que les multinationales trouveront toujours des moyens d'aller chercher ce dont ils ont besoin. Il va y avoir des gesticulations, ça c'est certain. Mais ça ne va rien changer fondamentalement. Parce que ce qui guide ces milieux-là, c'est le profit. Le profit, il y en a encore, ils vont rester. C'est sûr que les primes d'assurance, elles vont exploser. Que les sociétés de sécurité, les sociétés privées de sécurité vont faire leur beurre, c'est des marchés. Blackwater et autres. Mais il faut savoir une chose, pour l'intérêt, on a connu les dictatures d'Amérique du Sud, par exemple. ITT, Coca-Cola n'ont pas reculé pour tuer des présidents, pour installer des dictateurs, etc., pour leurs intérêts. Donc c'est pas Par contre, il y a un danger, ça c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, c'est qu'on vient de connaître une escalade. C'est la première fois qu'une installation pétrolière est visée, et c'est pour ça qu'il faut se poser la question qui est derrière, et que si on assemble la position du Qatar, qui insiste encore sur le dialogue pour la solution politique, et la rivalité sur les questions du gaz, là, cui bono, comme disait les... Vous avez parlé du Qatar, ça suppose que le Qatar a une stratégie autonome aussi, hein. Le Qatar et Qatar, il y a une rivalité. Nous, on nous dit Bla, Qatar. Nous, il se met téléphone en Zaire, Qatar. On revient. Bla, Zaire, Qatar. Parce que les protocoles d'accord et réalisation d'investissement, tu as quand même du chemin. On revient à la nature compradore du pouvoir. C'est un pouvoir qui peut jouer des coups comme ça. Pour juste maintenir, pour juste élargir le consensus autour de lui. Ou pour envoyer. La société, elle est faible. La société est comprimée. La classe politique, elle est complètement déglinguée, ne représente rien du tout. On peut aussi envoyer un signal à un homme d'affaires qui se mettait à avoir une vocation politique. Mais en tout cas, d'une manière générale, un pouvoir qui est privé de légitimité populaire, démocratique, est un pouvoir faible. Et par essence, un pouvoir faible, c'est un pouvoir qui est qui est susceptible d'être sous l'influence étrangère facilement. Donc ça, c'est effectivement une règle. La question aujourd'hui, effectivement... c'est de comprendre que notre pays est en train d'être piégé et qu'il passe à côté et qu'il va subir une situation. Il est piégé par ce pouvoir. Il est piégé par lui-même, effectivement. Par ce pouvoir. Le peuple algérien, malheureusement, est exclu des grandes décisions qu'il concerne. Effectivement, l'Algérie est piégée par ce pouvoir, par un système de pouvoir qui paralyse les capacités d'action de notre pays. Donc l'urgence aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut des réformes démocratiques. On en arrive rapidement, des réformes démocratiques dans ce pays. Il faut
faut une mutation, il faut un changement. Il faut une modernisation du pays. Oui, c'est le Japon. Et c'est le cas, c'est le américain, le Japon, l'église, tout le monde, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. إيه وشو ثرجمالا نشوف مثلاً ديني جرزن يسألني ديتالو نوك سارين قرن داك مازال سبعة كان يكتوات فن سبعة يظهرانين صورة أجيرا وقيني تيروريست يلفرا بنت ناش يكتوان غال على حساب يسألني دين سوالي وكسر ناش كان يكتوان غال سافا قنزرارا أنا روح حد نسلي يوني تمسلي نسي اسمنا الحكومة من الجابون يدي مسلين غاف ثمسال تقيمي أطاس زال 30 أرثوري مزدان تمور في الجابون يروحان يسينا كنا نغالب نكمل مسلي غاف ثمسال تقيمي ثورة كير كان ضبط النكرة نسال لني غيدي قارن ذاك السيني خدام تكباني ثنا جيجي سين ذي فارانين ثنان ذي لحلا يكارزن مشا سيتماني ضندغن وبضن ذي غنكرة نسال لني ذي قارن ذاك السيني خدام ثلاثة ذيك سن جابون ثلاثة ذيك سن ذاغن ذي فارانين سلحساب نسايهي أثنان ولذني ثني ذي لحلا يكارزن أكن ذاغ وضبطنا نسال لنون سيفن غاف لحلا نخدام نغس ومثا زدغم زوارون تلاصلس نتمورث فيليبين يوثن تمورث روماني دي خدامن نتكوبانيث ثاقر أغلانت جي جي سي أكثر النساء سفوث صغور ثي وشولين السنة لدعوين فيليبين ذن سايس دي سولين إناس ذاكن ثان ذي لحالة يرزن ثان ذي سبيطار أكت تركيا ما إلا ذوينا تمورث روماني انتان يسول الدسريد مضبرون تخبانيث جيزي سي عندس دينا ذاك مثلا ذي لحالة تغليست إيجرزن يمضبر تكبانيث نغام زوارو تكبانيث اكي جي جي سي كويشي كوادا نوك ديونس مضبر نظن داغن تكبانيث اكي اثنان وجدن وهقاني من سني وكنا ضغن ثم ديث بوساقي غار ثمورث الزيار وكنا ضخذ من يونو نذي وكنا داوين وغار نيسالن غافم كي بضراثو الطفايا اكي غافم كي تسيلين يخدمنا غافم كي داغن ثم تكبانيثنا ذي ثمايا اكي ميلا نصوب أغطفكني سالن نشتغل دي ليث مديث بوساقي سيبا عندس كميلا مسلي مزال عقل عصيريد المسلي دا تمورث من ولد جابون في الأمريكان دافيد كامرون فرنسا مزال هذا دفدو غاسك سلسكا اسكو سا فا غيان شونجي و بيا سكي سي باسي ان امناس فا كاميم اسيي و امني لو بوفوار الجيريان à aller un peu plus vers l'ouverture, est-ce qu'il va répondre à la pression des chancelleries des gouvernements occidentaux ou finalement, il va répondre à la pression des chancelleries au risque de passer encore pour un porte-parole du pouvoir. Non, on n'a pas dit ça. Mais quel pouvoir, il faut préciser. Quel pouvoir, on ne sait même plus. Hein. On ne sait même plus, c'est tellement opaque que Dieu seul sait qui dirige dans cette affaire-là. Toujours est-il que moi, je crois qu'il va y avoir, je vais reprendre le mot de tout à l'heure, il va y avoir des gesticulations des chancelleries occidentales et je ne vois pas en quelle mesure ça va conditionner une quelconque forme d'ouverture du pouvoir algérien, de quelconque modification. Il y aura peut-être des bénéfices indirects pour faire un peu de ménage, pour chasser un ou deux responsables, pour qu'un clan puisse tirer profit de cet événement pour faire éliminer quelques militaires, quelques généraux qu'on qualifiera d'incompétents. Mais je ne vois pas en quelle mesure les chancelleries occidentales sont capables d'imposer à l'Algérie une quelconque ouverture qui se soit. C'est totalement hors de propos. Alors Mohamed, est-ce que petit à petit, les gens commençaient à s'habituer à ce que Bouteflika allait faire un quatrième mandat? Là, on ne le voit pas. On ne voit pas beaucoup son gouvernement. Est-ce qu'on va encore reposer cette question? Est-ce qu'elle va se reposer? Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est capable? Ou ça y est, c'est acquis dans l'opinion? Moi, je pense que la crise qu'on vient de vivre montre que les conditions de l'application de l'article 88 de la Constitution sont réunies, à mon sens. Hein. Je pense que s'il y a réellement, comme le disait Mel, des secteurs progressistes non patriotiques dans le système, patriotique, tu as dit, excuse-moi, l'application de 88, l'application de l'article 88, je pense que c'est une donnée, c'est une hypothèse dans les moments actuels. Pour revenir aux chancelleries, aux réactions des chancelleries, il faut apprendre à faire la distinction entre, dans le discours en général, hein, il faut apprendre à faire la distinction ce qui dénote des positions de fond et ce qui est de l'habillage. Ce qui est destiné à la consommation d'une opinion publique interne et ce qui est destiné à donner des signaux sur la scène internationale, etc.
Les Occidentaux, dans la crise actuelle, dans les moments actuels, sont plus tenus par préparer leur opinion, par amortir le coup au niveau de leur opinion, etc. etc. Parce que, bon, l'opinion, il y a une forme d'idéalisme au niveau des opinions. Les valeurs de droits de l'homme, de démocratie, etc. Dans l'opinion, ça marche. Mais dans les sphères de pouvoir, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il y a un pragmatisme et un réalisme. C'est les intérêts. Qu'est-ce qu'on réalise comme, qu'est-ce qu'on consolide comme intérêt stratégique, qu'est-ce qu'on fait comme alliance, etc. Le pétrole, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel, surtout qu'il y a un ralentissement de l'économie mondiale, qu'il y a un ralentissement des investissements dans les énergies renouvelables. Donc le pétrole, pour quelques années encore, il est stratégique, il est central. Alors, Samir, les contre-coups, oui, les contre-coups sur le qui se passe. Sur le pouvoir, sur les. On reviendra après aux partis politiques, ouais, et à la classe politique qui est absente aussi. La classe politique algérienne, elle n'est pas là. Ce qui s'est passé à N'Djamena, c'est extrêmement grave. Il ne s'agit pas de minimiser, parce que forcément, elle aura nécessairement des implications. Mais de toutes les manières, ce qui s'est passé illustre la chose suivante, on est d'accord sur cela, c'est la défaillance totale du pouvoir politique algérien. La défaillance totale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Algériens commencent à comprendre de plus en plus que nous avons affaire à un pouvoir, à une caste dont j'ai parlé, qui travaille contre les intérêts nationaux, contre les intérêts du pays. La situation ne peut pas continuer comme cela. L'urgence qu'il y ait une mutation des réformes, de véritables réformes politiques dans le pays, qu'on aille vers la modernisation de l'Algérie, est une urgence aujourd'hui. Moi je le dis, ce pouvoir prend en otage, y compris l'armée algérienne. Ça, il faut quand même mettre l'accent sur cela. Or, l'armée algérienne, personne n'a intérêt à ce que l'armée algérienne soit affaiblie dans un contexte comme celui que nous vivons. Il est de la responsabilité de chacun de dire attention, l'armée algérienne doit être protégée de cela. Mais l'armée algérienne doit comprendre aujourd'hui, et je suis convaincu que contrairement à ceux qui sont à la tête, malheureusement, je parlais de l'état-major de l'armée ou du chef d'état-major de l'armée, qui est, etc., qu'il y a au sein de cette armée-là des patriotes, des gens qui comprennent qu'il est important que l'Algérie se modernise, qu'elle change, qu'elle puisse jouer un rôle actif au plan régional. Je l'ai dit au départ, la puissance, ce n'est pas uniquement une armée avec 10 milliards ou je ne sais pas combien de budget. C'est aussi une politique étrangère, c'est une économie dynamique. Nous avons les moyens financiers de le faire, mais je pense qu'il est temps de se débarrasser de cette génération qui a échoué. Elle a échoué parce qu'elle a raté le développement du pays, elle a imposé un système autoritaire au pays, elle est complètement à côté des mutations qu'il y a en cours dans le monde. Il faut se débarrasser. Est-ce qu'il n'y a pas un début de changement, puisqu'on a vu le départ de Yahya Belkhadem peut-être à la fin du mois va partir. Soltani aujourd'hui l'a déclaré qu'il ne va pas se représenter. Même dans la classe politique, il y a eu Saïd Saadi, il y a eu Ed Ahmed dont on a parlé tout à l'heure qui a décidé de ne pas se représenter. Ce n'est pas un début d'un changement du système politique où on enlève les uns pour mettre les autres. Non, le système politique, c'est pas. C'est l'illusion du changement. Le système politique, c'est pas l'establishment. Le système politique, c'est dans la société. C'est quels sont les canaux pour que la société puisse s'exprimer. Quels sont les contre-pouvoirs qui existent. Quels sont les moyens de défendre les libertés. C'est tout ça. Or, dans ça, rien ne change. On vient de faire une révision constitutionnelle à l'envers. Pourquoi une révision constitutionnelle à l'envers? On commence par adopter les lois cadres. On a fait la loi sur les partis, on a refait la loi sur l'information, on a refait la loi sur les associations, etc. Et on va refaire une révision constitutionnelle à partir de ces lois-là. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire la révision constitutionnelle et les lois en découlent, on fait les lois et la constitution en découle. C'est un petit peu la philosophie de